Et yo tout le monde, c'est Tiob, c'est encore malade mais ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la Confédération de l'Allemagne du Nord, précédemment la Prusse. Lors de l'épisode précédent, on avait réussi à faire remonter un petit peu nos relations avec l'Autriche pour qu'elles deviennent neutres. Et c'est surtout, ouais, c'est principalement ça. Je crois qu'on avait attendu deux épisodes. Bon, bien sûr, en attendant, on augmente le PIB, etc. Mais on avait attendu principalement ça. On avait réussi à avoir une obligation de la part de la Grande-Bretagne, de l'Espagne et de la Russie au cas où on vienne nous embêter. Là, le but, c'est de choper une obligation de la part de l'Autriche. Et de former la Grande Allemagne, donc hop, formation, machin, Allemagne. Voilà, il faut juste que nos relations augmentent. On est. Waouh! On n'est pas bien en argent. L'Oldenbourg nous soutient, ça y est, enfin. On va quand même continuer d'augmenter un peu nos relations avec eux. On va essayer d'avoir une obligation. Ah, voilà. On a une obligation de leur part. Donc je vais pouvoir arrêter de les financer, même si ça ne me coûtait pas tant que ça. On peut voir que, ouais, d'ailleurs, pour ce qui est de l'argent, bon, on finance l'Autriche. Oui, j'avais oublié ça, ce détail qui n'en est pas un. Est-ce que ça va valoir le coup que j'augmente? Ah, c'est pas vrai, c'est Hanovre maintenant qui me soutient plus. On va refinancer Hanovre. Décidément, ça fait le yo-yo. J'ai dû augmenter un peu les taxes, hein, j'ai pas trop le choix. Après, on est en très bas en taxation. Donc ça va. Ouais, on va. On a besoin de plus de vêtements. Est-ce qu'on en exporte? On n'en exporte pas. Ouh. Ah oui. Je pensais qu'on en exportait, mais non, pas du tout. En Silésie, non. On va faire ça en Prusse-Orientale, on va en faire 5 en Prusse-Orientale et. Oh, même 15 en Prusse-Orientale. Voilà. On va faire beaucoup de vêtements en Prusse-Orientale. Et on n'a plus qu'à attendre la. Une obligation, et en fait. Le but. Si je me trompe pas, ça va être de choper une double obligation en fait. Première obligation pour bien augmenter notre entente. Et une deuxième obligation pour les faire être sûr qu'ils viennent avec moi dans la formation de l'Allemagne. De la grande Allemagne. On perd encore de l'argent, je vais être obligé de mettre les. L'impôt en normal. Ok, il y a triage. La rivalité avec l'Empire Ottoman, ça je m'en fiche. Inspiration dans l'obligation nord-germanique envers le nord-germanique. Ok. C'est bizarre, mais bon. Je vais avoir besoin de faire des voies ferrées en Rhénanie, en Saxe et en. Silésie. Allez, c'est parti. Ouais, les outils sont chers. Après, les outils, là, j'ai de l'agrandissement de fabrique en cours. Donc, ça devrait être bon. Puis là, vu qu'on va avoir énormément de nouveaux territoires. Ça va rechambouler un petit peu le marché, donc il va falloir le rééquilibrer après. Ok, le financement, ça avance. On s'entend déjà neutre. On a moins 10, voilà, on a gagné quand même pas mal d'entente. Ça augmente vite, hein. Là, ça augmente tous les 15 jours, je crois, un truc comme ça. Là, on est le 20. Enfin, on a le 20 août, on a une augmentation. Je crois, ouais, qu'on avait vu ça à l'épisode précédent. Et
20 pour le 6 sept... 20 août, 6 septembre, c'est pas mal. Les industriels sont maintenant puissants. Ouais, ils sont à 20% aux alentours. On va voir, est-ce qu'il y a une loi qu'ils veulent faire passer qui m'intéresse. 13 enfants autorisés. Je préfère le restreindre, mais ils sont pas trop contents si je le fais, donc on va attendre un peu. Et là, il n'y a pas de probabilité de promulgation. On gagne un peu plus d'argent, ça c'est une bonne chose. C'est combien pour passer au palier inférieur? 44 000. Donc on va pas pouvoir. Enfin, sinon on perdrait de l'argent, et là vu qu'il n'y a plus beaucoup dans les réserves, on est vraiment à moins d'un million des réserves. Donc on va faire attention. Le PIB il est un peu stagné là, on voit, hein, ces derniers temps. On va le refaire monter. La manœuvre soutient la Confédération de l'Allemagne Nord. Ok, ça c'est cool. On va quand même augmenter à fond le... nos relations. Parce qu'à chaque fois, ils me soutiennent, ils me soutiennent plus, ils me soutiennent, ils me soutiennent plus. C'est un peu embêtant. Voilà. On va faire ça d'un coup, ça sera mieux. Ok, il y a la S qui a besoin d'une voie ferrée, c'est parti. Population, on va bientôt atteindre les 20 millions, ça c'est cool. On est toujours une faible population si on compare à la France, à la Grande-Bretagne. Ah, j'ai une technologie. Je ne sais même plus, c'est la dynamite que j'ai recherché. Ok. Ouais, ce serait correct. On va faire ça. À mon avis, ça va me demander des mines de soufre. Et là, c'est bon, il n'y a pas besoin. La question c'est, est-ce que je passe en... Ah ouais, non mais il y a tellement de trucs à faire passer en... Bon, alors on va faire tout passer là en motopompe à condensation. Ça va me faire consommer les outils, hein. Ça je vous le dis les gars, par contre. Ça pique sur les outils. Et on va tout faire passer en... Ah non, ça va trop coûter en explosif. J'en ai pas assez. Si je vais dans les bâtiments urbains... C'est en Westphalie que ça produit. Ok. Alors je vais faire quelque chose déjà. Je vais faire un marché. Je vais faire une route commerciale. On va exporter. Exporter des engrais. Voilà, vraiment là où je peux. Parce que mes usines chimiques, elles produisent autant des explosifs que de l'engrais. Mais l'engrais ne vaut tellement pas cher qu'elle n'est pas rentable et elle ne grandit pas. Une fois que ça a été fait, on va retourner dans le bâtiment ruraux et on va faire la dynamite dans ces deux-là. Et on va voir si on est en déche de dynamite ou pas. On va y aller petit à petit. Ouais. On est en déche de dynamite. Après, c'est le temps que ça s'agrandisse aussi. Hanovre ne soutient plus. Eh ben, j'ai bien fait de continuer d'améliorer nos relations. Hein. Au pire, Hanovre, j'irai les voir. Moi, je vais lever l'obligation. Voilà, ça va bien m'augmenter. On est très amicaux. 96. Ah ouais, ouais, c'est bien amical ça. Et oui, on a regardé ça. Hanovre soutient désormais la Confédération de l'Allemagne Nord, tu m'étonnes. Je vais lever l'obligation en Oldenbourg. Et je vais commencer à recommencer à les financer. Voilà, on va faire pareil au cas où.
Ok, on a bien la production de dynamite. Ça, est-ce que je peux pas en vendre plus? Non. Mais est-ce que je peux changer mes bâtiments pour qu'ils en consomment plus? Non plus. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être ça. Ah, mais là, ils me produisent plus de tissu. Et si je baisse, j'ai pas assez de tissu. Ok. On est à 100 avec Oldenbourg. C'est énorme. Par contre, l'Autriche, on va voir. Vu que ça a passé, il me semble, au niveau. Mince. Ouais, au niveau de la dynamite, ça passe. On va augmenter les autres bâtiments, donc principalement le soufre qui est consommé par par les usines chimiques. Plus, ce serait pas une mauvaise chose. Voyons voir. Ça me demande des. Hop, au moins une usine de moteur. En plus, ouais, vu les voies ferrées là que j'ai fait, ce sera pas une mauvaise chose. De l'acier. Est-ce que j'avais changé le type de production des aciéries? Oui, on est bien passé en Bessemer. Ok. Alors, on va faire une. Si on forme l'Allemagne, non, on n'a toujours pas ce qu'il faut. On va encore augmenter. Ouais. Bon, en même temps, on est encore neutre. Donc c'est normal. Allez, faudrait, avant que ça devienne la Scandinavie. Là. En général, c'est dans ces dates-là que ça arrive. Donc c'est pas bon. Ah, on a bien augmenté le PIB là, par contre, d'un coup. À la dynamite, elle a fait du bien. Oh la vache! Elle a fait du bien, mais on va quand même l'augmenter encore de niveau. Apparemment, on en manque 500. Ouais, on va faire 5. Si on fait 5, je vais pas avoir les infrastructures, donc je vais refaire une voie ferrée. On va faire pareil pour l'acier. Hein. Là, je crois qu'on n'a pas trop chaud. Ah oui, en plus, je n'ai pas beaucoup des usines d'acier. Allez, on va les faire en Saxe. J'ai des verreries, j'ai de la scierie. Oldenbourg, on peut pas augmenter plus, donc on va cesser de financer. Hanovre, est-ce que ça augmente? J'ai pas l'impression, donc on va cesser de financer. Essor industriel. Avec la récente expansion de la production de la consommation d'explosifs dans notre pays, il y a eu beaucoup de débats pour savoir si le secteur militaire ou industriel devait avoir la priorité. Donc, plus de munitions, plus de production des mines ou plus de production de l'usine chimique. On va faire plus de production des mines. Ah, ouais, si les usines chimiques, j'en ai qui vont se construire, donc ça devrait être bon. On peut baisser un petit peu les impôts. Ouais, ils vont être contents. Expiration de l'obligation russe. Ah ouais, elle a vraiment expiré quoi, bon c'est pas grave. Je peux pas le financer. Ah si. Comment ça me coûte? 30 000. Allez. Là on est vraiment sur de l'améliorer là. Enfin on a double amélioration quoi. On est sur amélioration des relations et financement. Autant dire on s'entend bien. Enfin on va vite s'entendre mieux avec eux quoi. Bon, je leur ai baissé les impôts, mais hélas, j'ai eu une grosse dépense, donc je vais devoir les remettre normal. Désolé les gars. C'est comme ça, pour déterminer. Ok, ça je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une obligation. À la part de l'Autriche principalement. Voilà. Il
forces armées et industrielles sont désormais puissants. Tiens, non. Non, ça change pas. Ah ouais, les deux sont à 20%. C'est pas mal du tout. On les renforce, c'est normal. On va cesser de renforcer, on va renforcer un petit peu les junkers à la place. Agriculture inefficace. Oh c'est bon. Vous êtes déjà bien là, les industriels, arrêtez de faire vos chuchotes. Oui, on vous a pas écouté. Gutenberg. On perd bientôt l'obligation. Bah, si on la perd, on va la lever. Ça nous fait augmenter nos relations, soit avec eux. On a combien avec eux? 100. Oui, bon, on peut pas faire beaucoup plus. Allez, toujours pas ici. Toujours pas là. Dommage. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a la colonisation là. On a bien fait un port. Ça prend son temps, c'est pas notre priorité. Ah, là, je voulais voir un truc, c'était mes succès. Ah voilà, ils sont revenus, bon. C'est bizarre. On commence avec la Prusse, former l'Allemagne et posséder au moins 10 états d'Afrique. Tiens bah, et si on faisait ça? Ça c'est mon petit truc personnel, on va dire. Parce que ça demande pas de, ça donne pas d'infamie. Mais mon vrai objectif, hein, ça va être vraiment une grosse place en Europe, quoi. Vraiment en Europe centrale, à moi. Peut-être même Europe du Sud. Très certainement même. On voit. Puis Mont-Sardaigne, Parme, Modène et tout, les états pontificaux, la Toscane, ils attendent que moi. Et Luc, je suis ton père. Oh merde, oh. C'était obligé. C'est venu tout seul, je suis désolé, ça a été un réflexe. Comment on dit en allemand, je suis ton père? Ich bin your Vater? Non, bah non, ça c'est un mélange entre allemand et anglais. Attends, je vais aller voir comment on traduit. Français, hein, en allemand. Voilà. Je suis ton père. Ich bin dein Vater. Comment ça se prononce? J'arrive pas en. Ah oui d'accord, oui, donc je peux que... Ça c'est marrant ça. Bon. Et ben, ich bin dein Vater. Voilà, je suis désolé pour l'accent, hein, vraiment. Non, c'est dit, c'est effondré, puis genre... Aïe aïe aïe. On a le soutien des ruraux, des industriels. Ouais, mais les industriels, ils sont déjà bien là. Allez, on va avoir du soutien des ruraux. Les rations, on va la foutre. Produits pharmaceutiques, ok. Là, j'ai toujours rien. Aïe aïe. Alors, on va quand même vérifier au cas où. Hein, mais si on forme l'Allemagne. Non, on n'a pas, les bonnes relations. Là, si on lance. On peut même pas lancer le coup de l'unification. On peut que former la Grande Allemagne, quoi. ça me va. Enfin, sauf si je me fais piquer mes territoires du sud du Danemark, quoi. Mais... Ok. Ok. On a combien? On est à 41 000. Allez, on va pouvoir baisser un peu les impôts.
On a un bon fonds d'investissement, ça c'est cool. Ouais. Ouais, on va devoir relancer quelques productions. Ok, ça va être bon. Ça va être mieux. Ça, on a quoi? On est sur des routes commerciales, donc en fait, on est bon. Ça, c'est limite, mais on a en production. Ça, on en exporte beaucoup. Ouah! Pardon, on en exporte 3000 sur 5000 de production. Ah ouais. Ok. Pourquoi pas. On va avoir besoin de teinture. Bah, ça tombe bien. Ici, on peut en faire. Donc, on va en lancer 5. Hop, 5 teintures. Les outils, on en exporte. Les clippers, on en exporte. Ça, on n'en a rien à fichtre. Ça. Ah oui, il va falloir faire un peu de poisson. Effectivement. Allez, en Poméramnie. Et ici, voilà. On va faire quelques ports de pêche. De Sicile. Okay. Ancien général est mouru. Bon, on va recruter un. Enfin, on va voir si on peut recruter un qui est. Oh, quoique, en vrai, j'ai le QG du Rhin. T'es où, toi? QG Nord-Allemagne. QG Pologne. Ah. J'ai personne sur le QG du Rhin. Mais on va bien le mettre sur le QG du Rhin. Qui c'est qu'on va mettre en QG du Rhin? Il y a un Junker. L'euro, il est pieux, explorateur. Demande un problème. Monsieur Commandis, pour ça, toi, tu es méticuleux. Stratège défensive, bon, coup de luxe. Un peu plus de gaspillage fiscal, mais il a des bonnes stats en vrai. Rudolf Zell. Allez, on va me promouvoir un coup. C'est un junker en plus. C'est pas mal. Il me semblait avoir vu que QG Nord-Allemagne, on a encore qui sont tranquilles. Donc lui, Helmet. Ou lui. C'est un junker, c'est un force armée, on va le promouvoir lui. Voilà, on a des unités qui étaient sans général. Ok. Toujours rien ici, hein, c'est pas cool. Merci. Soulèvement libéral de Landfang. Ok, c'est ici. On voit que la compagnie orientale prend d'être les tribus unies. Ok. On est États-Unis d'Amérique qui n'ont pas encore fait leur guerre contre le Mexique. Nouvelle préoccupation. Les ruraux exprimés. Leurs inquiétudes au sujet de. Nuro, ils sont en plus 1, ça ferait rien de les augmenter. Donc on va leur dire taisez-vous. Ça leur fait pas passer un stade au-dessus en fait. Sinon, j'aurais peut-être regardé. Pour un travail honnête, c'est ça? Pour augmenter certaines productions, mais bon, là, c'est pas le cas. Il y a beaucoup qui veulent augmenter le. Qui veulent faire passer l'autocratie en vote foncier, mais je vais éviter au maximum les écoles publiques. Ça serait bien. Mais là, pour l'instant, on peut pas. On est remonté dans le positif malgré le fait qu'on subventionne l'Autriche et la Russie. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a une bonne économie. Là on voit on est monté à 80 millions de PIB. Il me semble qu'au début de l'épisode on était bien en dessous. Bon. Et la question c'est est-ce qu'on pourra avoir est-ce qu'on pourra former l'Allemagne cet épisode? Ouais, bon, il déclare tous la neutralité, coût diplomatique,
En Bretagne contre un soulèvement, ok. Le Soulou, les Pays-Bas, le SIAC, etc. Là c'est pays assujettis. Ok. Pérou-Bolivie. Ok, la Russie a une obligation envers vous. Un pour la cesser de financer. Je sais pas ce que je pourrais avoir en interaction. Pas grand chose. Pérou-Bolivie. Tiens, non. C'est fou ça, mais comment ils font pour avoir des protectorats là? Je comprends pas. Là. J'ai du mal avec le délire en vrai. Est-ce que je peux déclarer d'intérêt? Non, je peux pas plus déclarer d'intérêt. Par contre, j'ai ça là, donc ça veut dire que si je fais ça, je peux en faire un protectorat, je sais pas. Ou l'Oman? Ah non, c'est encore l'Oman, c'est pas devenu. Ça deviendra plus tard. Zanzibar, voilà, j'avais oublié. Eux, ils sont. Je peux pas en faire un protectorat, non. Ouais, il y a un délire, je saurais pas trop dire comment ça se fait. Bon, c'est dommage par contre que j'ai pas eu de. D'obligation de leur part. Hein. Pacte diplomatique. Ouf. Ok. Ok. Allez les gars, on y croive, comme on dit. Certains auront la ref. Les croiveurs auront la ref. vous ne faites pas, ça rien de méchant. Ça vient d'une chaîne Twitch, c'est tout. Le verbe croiver. Ah bon, il y a l'Italie qui a été formée. On va se méfier, c'est assez fort l'Italie. Hein. Peu de bataillons, mais ils sont assez costauds. De ce que je me souviens. D'importation de papier, annulé. Allez, d'ailleurs, en parlant de Danemark et tout, là. Va falloir plus augmenter nos relations en Autriche. Hein. Ok, un peu retombant en Autriche, rivaux de la France. L'immigration du Brunswick. Ah! Ah, je suis passé à côté, ça. C'est pas grave. On va les financer au cas où. On est combien? On est à 80. Oh, c'est bon, c'est financé, le Brunswick. Je pensais qu'on serait plus bas, mais non, non. On est en relation agréable, Danemark. Ouais. Peut-être devoir monter à 50. Hein. Je saurais pas dire. Oui, tu l'as fait il y a deux tours. Alors, et ça fait quoi? Augmente chaque jour nos relations. Ouais, ça augmente encore les relations. Allez. Voilà, on est à 15 jours. On va voir à combien ça fera passer. Quand ils ont accepté ou pas. L'Autriche a accepté. Notre proposition d'accord commercial, ça c'est cool. Donc ce qui fait que, hop, en diplomatie, on a un accord commercial, il est là. Et, oh la vache, je leur exportais vachement apparemment, parce que là j'ai perdu un peu d'argent. La vache. Et ce qui fait que, on va voir en combien de temps ça augmente, mais à mon avis là ça doit être ultra rapide. Surtout que ça augmente jusqu'à 80. Là, on peut voir qu'en une journée ça augmente déjà beaucoup. Blanchiment optique. Alors, ça commence le. Alors, on va avoir un tic le 14 septembre. Ah bah non, apparemment c'est pas beaucoup plus rapide. Ah zut. J'ai des constructions que je peux faire et j'avais pas vu. Est-ce que j'exporte du bois? Non, j'exporte pas de bois. Donc. On va en faire en S, ouais. Ah mince, c'est pas trié par paysan. Ah voilà. Et en Posen. En Brandebourg? Oui, on n'a pas beaucoup à l'EP. On va avoir l'accès au marché apparemment. Ouais. Voilà. Là on a toujours pas de.
Toujours pas d'obligation. On ne fait toujours pas former l'Allemagne. C'est quoi, je fais une petite sauvegarde. Save. Je sais pas la combien de c'est. C'est la 5, la 6. C'est la 5. Encore l'Empire ottoman et l'Égypte qui se tapent dessus. Ils s'arrêtent pas. Port de traité en Thrace du Nord. Préparation de guerre. Ouais, vraiment pour que dalle. Attends, t'as l'Autriche aussi qui s'y mêle. Ah ouais. Ok, d'accord, c'est pour ça. Attends. Non, c'est bon. Il n'y a pas de morceau de l'Autriche qui risque de se faire perdre. Je voulais vérifier que l'Autriche ne risquait pas de perdre un morceau dans ce bazar. Normalement, c'est bon. Prendre importation de papier, ok. Votre foncier dissous, ça c'est cool. 43 en ordre public. Et on est à plus de 30 minutes de vidéo. Eh ben, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Désolé, on est proche de la formation de l'Allemagne, mais je sais pas quand ça va arriver. Ça dépendra très certainement de l'obligation. Voilà, tout le long de l'épisode, on avait la demande d'obligation, mais on l'a pas eu. Je suis désolé, hein, pas de chance. Mais on l'aura très certainement, je l'espère, pour le prochain épisode. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve comme d'habitude tous les lundis, mardis, jeudi à 11h pour un let's play, tous les vendredis 15h pour un let's play narratif, et le mercredi ou le week-end pour des épisodes spéciaux. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tiob. Ciao!